souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Tony Magical, a machine says everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told him. Tony Magical, to me she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. Voilà, on a fini. En mousse. Voilà, ouais. Assez épais de mon côté, puis bah, donc en fait celui-là c'est mon côté, ça je l'ai fait avec des branches de sapin courbées, vous voyez ça, et celui-là c'est le côté de Corentin, pareil, il a fait des, avec des branches de sapin, ouais. Et il a mis une épaisse couche de mousse, il y a au moins 20 cm, moi il y a quoi, 5, ouais 5, ça dépend des endroits, des fois j'ai rajouté. Donc quand on rentre à l'intérieur c'est extrêmement sombre. Sauf à l'arrière, parce qu'on n'a pas fini de mettre toute la mousse. Donc on a décidé de faire un mur à l'arrière pour que ça soit bien isolé. Je vais prendre ma lampe et je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, c'est sombre, hein, ouais. Comme Aubin l'a dit. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc. Vous voyez. Donc là, j'ai mis le flash, hein. Donc c'est beaucoup de branches, environ une heure de travail, et ça, bah ça vous tient à l'abri, bah des intempéries, de la neige, peut-être pas de la neige, enfin ça dépend, ça vous tient à l'abri de la neige c'est sûr, mais pas, peut-être pas à l'abri du froid, voilà. Donc pour ramasser toute la mousse, c'est simple, on va aller chercher sur bah, un peu partout, vous voyez, il y en a sur les souches, sur les arbres, à la base des arbres, celui-là il y en a beaucoup. On en trouve par terre, un peu partout, vers là-bas, vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup de mousse. Après, si vous êtes dans un autre environnement, par exemple feuillu, comme je disais tout à l'heure, ramassez les feuilles, vous les mettez dessus, vous le mettez sur l'abri, et vous recouvrez d'une épaisse couche de branches que vous trouvez par terre. Et après, normalement, c'est censé être étanche. Donc, ce genre d'abri, ça... comment, ça met à l'abri du froid. C'est pas très très chaud, mais voilà. Vous pouvez mettre bah, des affaires sur le côté, tout ça. Ça vous met à l'abri aussi de la pluie, bah, de presque tous les intempéries. Le vent, faut faire gaffe, pas trop grand comme vent, mais oui, ça passe. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous servir. Là, on va faire un petit feu, comme vous l'avez vu, on a fait un trou. On a fait un trou juste là pour faire le feu. Et on va se faire un petit café ou une tisane, on sait pas encore. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc on vient d'allumer le feu. Corentin a installé soit un Mac pour l'essayer. Ouais, il est classe, franchement, pas mal. On a mis un petit tapis de sol à l'intérieur de l'abri. Limite, je pense qu'on pourrait essayer de dormir ici ce soir. Mais je pense pas qu'on pourrait. Enfin, qu'on ait le droit plutôt. Voilà, donc le feu vient d'être démarré. Bon, ça fait déjà 5 minutes qu'il est démarré, mais voilà. On va mettre le café sur le feu. Voilà, donc on a tout préparé. Ça va être une bonne fin de petit après-midi. Hein. Par contre, il ne fait pas encore nuit, mais on va pas tarder à redescendre. Voilà, donc le campement est totalement terminé. Voilà Coco, j'espère que cette vidéo, enfin on espère que cette vidéo vous aura plu, ouais. Si vous avez besoin de conseils, bah contactez-moi par message, je vous donnerai quelques conseils pour la construction. Et n'hésitez pas à lâcher un com, à lâcher un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se redit à la prochaine, tchuss.